parti. Chronomètre. J'ai choisi cette image pour deux raisons. La première, c'est la photo du concours noir et blanc de cette semaine sur Facebook, là, pour VPP. Et la deuxième, c'est un voyage au Vietnam, une destination que je fais. C'est toujours un grand bonheur d'y aller. Les gens, c'est le pays du sourire, les gens sont adorables, on fait des photos comme on veut, voilà, tout est simple. Ce moment-là, c'est à Hanoï, c'est le premier jour, on est arrivé le matin, on a 6 heures de décalage horaire, on est tous un petit peu fatigués. Là, on est en fin d'après-midi à ce moment-là, et puis lorsque vous arrivez dans des endroits comme ça, qui sont assez uniques, en fait, il y a une voie ferrée qui passe entre deux immeubles. Ça grouille de vie, il y a des enfants partout qui jouent, il y a les grands-mères qui font à manger, voilà, les femmes qui font sécher le linge, enfin, c'est très vivant, quoi. C'est un vrai spectacle. Une femme passe derrière moi, je ne vois pas son visage, mais elle a une belle allure, elle est élégante avec son chapeau là, et tout de suite ça m'interpelle. Que je me dis qu'il y a quelque chose à faire. Je me baisse volontairement parce que, en fait, si j'étais resté à ma hauteur, il y a plein d'éléments qui seraient venus perturber un petit peu l'image. Et ce qui est assez... La chance que j'ai vue après coup, c'est qu'il y a les quatre fils là, qui sortent du coin de l'immeuble, hein, qui correspondent exactement au triangle du chapeau et qui font une liaison avec tout ça. L'image, elle me parle, ça me rappelle l'ambiance du film In the Mood for Love. Et on est exactement dans cette ambiance-là, et il se passe quelque chose, il y a une histoire qui se met en place à ce moment-là. Voilà, c'était l'histoire de cette image-là. On fait beaucoup de belles images au Vietnam, beaucoup de grands moments. Je vous souhaite un bon confinement, une bonne fin de confinement, du moins j'espère, et puis surtout à bientôt au Vietnam ou ailleurs.